Bonsoir Flo, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Voilà, donc je te présente Emmanuel. Qui va travailler pour toi. Hein. Donc, tu peux nous exposer les points sur lesquels tu désires travailler. Nous t'écoutons. D'accord. Donc, moi, en fait, ce que je souhaiterais... Comment ? Ce que je souhaiterais, c'est avoir ma maman. Oui. Ta maman est encore dans ce monde ou pas ? Mes enfants. Est-ce que ta maman... Pas... Est-ce que tu m'entends, Fleur ? Oui, j'entends, mais ça coupe. Ça coupe. Ah. Est-ce que ta maman est dans ce monde ? Oui, oui. Ça résonne. J'ai une mauvaise connexion. Bah, c'est ce que je vois. Est-ce que ta maman est de ce monde encore ? Ta maman est-elle de ce monde encore ? Oui. Sauf mon papa. Sauf mon papa, c'est tout. D'accord. Donc là, c'est avoir ma maman, mon frère qui est toujours là, mes filles toujours là, mes gendres toujours là. Combien t'as de filles ? Tu as combien de filles ? Mon papa, j'ai deux filles. D'accord. Deux filles. Donc deux filles, tu es le gendre, c'est ça ? Deux gendres. D'accord. Et qui d'autre alors ? Et trois petits-enfants. D'accord. Et ton papa, non ? Non, mon papa est décédé très jeune, à 49 ans. Oui. Voilà. Et j'aimerais, parce que j'étais très liée à lui, et le midi, quand il est parti travailler, je savais que je ne le reverrais pas. Je le savais. Lui aussi. D'accord. Mais tu veux savoir sur quel plan il est ou J'aimerais comment ça se passe pour lui. Et... Voilà. J'aimerais. Ok. Voilà. C'est quelqu'un avec un grand cœur. Ok. Bon, alors nous t'écoutons pour les points. Il y a d'autres personnes ? J'aimerais aussi avoir mes animaux, notamment les deux derniers chats qui sont partis, qui sont décédés mais qui sont partis, et la pensée de ma chienne, voilà. Donc deux chats, hein, t'as dit, c'est ça ? Oui, qui sont décédés. Voilà, et ? Ma chienne, voilà. Et j'ai notamment, sur les chats que j'ai avec moi, une petite minette qui a une tache noire dans l'intérieur du foie, si on pouvait voir ou voir, savoir. Voilà, c'est important. Un autre point, j'avais une amie qui a énormément changé, pratiquement du jour au lendemain. Nous étions tout le temps ensemble, c'était vraiment très puissant. Pour moi, c'était important, parce que l'amitié, pour moi, c'est très important. Et en un an de temps, elle a changé et j'ai un très mauvais ressenti. Quelque chose qui me dérange et qui me fait souffrir intérieurement, comme quelque chose qui me plombe. Ça ne va pas du tout, ça. Donc, voilà. Je suis végétarienne. J'ai un odorat très développé. J'adore les fleurs, j'adore la campagne, la paix, la sérénité, enfin tout ce qui est basé sur la sagesse et la tranquillité. Je ne supporte pas de couper une fleur, je ne supporte pas la maltraitance. Je ne supporte pas la vie non plus. J'ai un besoin d'être en retrait et d'être en connexion avec la nature. Ça, pour moi, c'est très important. L'autre point, c'est que j'ai un cercle côté gauche, une masse comme ça, du côté gauche, et qui me fait mal quand je travaille ou quand je... Je m'y attends pas. C'est vraiment pesant. C'est un cercle. Et c'est comme si on m'appuyait dessus. Donc, c'est sur l'omoplate, c'est ça ? Sur l'omoplate à gauche ? L'épaule gauche. Ah ouais. C'est comme une énorme pièce, une plaque. D'accord. Depuis quelques mois. Je ne l'avais pas auparavant. Depuis quelques mois. Et j'ai constamment, depuis des années, le pied gauche qui est tout le temps abîmé. Alors, ça peut être l'orteil. Le pied, le dessous du pied, une cicatrice, enfin, c'est terrible. Et d'ailleurs, j'avais à préciser que quand j'étais petite, quand j'ai posé la question à ma maman, elle n'a pas su me répondre. Et j'ai une cicatrice au niveau de la cheville gauche et une cicatrice au niveau du bras droit. Et donc, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que c'était ? La seule réponse, c'est on a changé ton sang. Parce que j'étais à quelques minutes de décéder. Et donc, ce n'est plus mon sang, et c'est le sang, en principe, d'après ce que j'ai su, de mon père. Mmh.
Ouais. Ce qui m'a étonnée, quand je pose des questions, j'ai aucune réponse. D'accord. Je ne supporte pas les araignées. Et quand je vais quelque part, je la sens, je sais qu'elle est là et je suis obligée de la tuer. Alors que je suis contre tuer parce que ça ne fait pas partie de moi, mais ce n'est pas possible. C'est plus qu'une phobie parce que je peux pas. D'accord. Je pense presque avec certitude qu'il y a eu plusieurs rituels de magie noire sur moi, parce que à la fois sur l'argent, sans dire que j'aime l'argent, mais une sérénité financière. Le deuxième, c'est que je pense qu'au niveau de mon travail, on m'a fait des certains barrages, parce que je me bats vraiment pour pouvoir être sur ma ligne. Et d'autre part, j'ai toujours, par rapport, je pense qu'on a essayé de me séparer d'avec mes enfants. J'ai une petite idée de savoir qui, mais je n'en ai pas la certitude. Mais je sais qu'avec mes enfants, on était comme ça et je sens qu'il y a des petites choses qui ne sont pas dans la logique, parce qu'elles sont grandes, hein, elles sont adultes. Donc voilà. Je vis dans une solitude. J'ai mon côté solitaire, mais je suis dans une solitude. Hein, et la solitude, c'est pesant. C'est pesant. Donc j'ai beaucoup d'adversité et de jalousie, alors que je suis quelqu'un de simple, je pense. Je pense. Et les points qui. Alors, je pense que dans ma maison, parce que j'ai entendu quand je suis arrivée ici des sons, des voix, comme des méditations ou de la détresse. Et là où j'habite, quelque part, donc il y a eu la guerre. C'est quand même un lieu où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de défunts. Et j'ai vu d'ailleurs une femme avec sa fille, une petite fille, une petite blondinette, qui a sauté sur une mine. Et j'ai été surprise quand je l'ai vue. D'accord. Donc il y a des Alors, bruits et des au niveau. présences, quoi. En Oui, gros. mais même au niveau de la cave, hein, j'y vais pas dans la cave. Hein. C'est pas que j'ai peur, c'est que voilà, ça sert à rien de se larder, ça sert à rien. Hein. Ouais. OK. Alors, au niveau des sorties de corps, j'ai été sous la mer et là, j'ai vu des gardiens avec des têtes d'oiseaux qui étaient, quand on les voit, très, très beaux à voir. Et j'étais sous l'eau. Hein, et par rapport à cette voie-là, ce chemin-là, tout à côté, il y avait une pyramide en or. Et les gens, une personne était joyeuse. C'est-à-dire que les personnes, les gardiens pour moi, avec des têtes d'oiseaux, c'était festif. C'est festif. Et il y avait une bâtisse, enfin un énorme monument. Et pour moi, on m'a dit, c'est une ville engloutie. J'ai mis ma main et j'ai entendu des voix qui me demandaient de l'aide. Et là, on m'a dit non, non, non. Donc, je suis repartie à reculons. Je suis entrée. Moi, je suis partie. Voilà. Ça, c'est un premier point sur un voyage. Donc, Une sortie il y a encore. eu des coupures, ou en tout cas, tu m'as dit qu'il y avait des pyramides, c'est ça, au fond? Non? Non, j'ai pas compris ce qui. Il y avait quoi alors? Donc, ces gardiens à tête d'oiseau. Des têtes d'oiseaux, il y en avait beaucoup, hein, avec D'accord? comme une lance, Oui. il tenait comme ça droit. D'accord? Et quand j'ai voulu y aller, on m'a dit non, non, il faut reculer. Donc je suis Ah. partie, je suis allée de l'autre côté. Et là, j'ai vu une pyramide couleur or, Ah, c'est où ça, une donc pyramide or, d'accord. une énorme pyramide sous l'eau, hein, or, et avec des gardiens, et c'était festif. Et juste à côté, il y avait comme une bâtisse ou une ville engloutie, on disait que c'était une ville engloutie. Et quand j'ai mis ma main, c'était un peu gluant, enfin, c'était comme des algues. Et donc, à l'intérieur, j'ai entendu des voix qui me demandaient de l'aide. Et c'était vraiment de l'aide. Vraiment. Et on m'a dit non, 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 faut partir. Donc, je suis partie. Après, j'ai fait une autre sortie de corps. Ça fait pas très longtemps d'ailleurs. Où donc, je suis arrivée dans un quartier quelque part, près de chez moi. Et donc, il y avait des femmes qui étaient habillées tout en blanc, très simplement, et qui se lissaient les cheveux avec un produit et de l'eau. Et sur le coup, donc, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que c'était? Et quand je suis passée à côté, il y avait des enfants allongés sur le dos avec une marque, une croix. C'était de la cendre. Et c'était pour un sacrifice d'enfant, j'en suis certaine. Certaines. Donc je suis partie, mais je suis revenue chercher les enfants et je les ai
Alors, chose étonnante, c'était comme un aimant et il se tenait autour de ma taille et j'étais transportée, je les ai emportés avec moi, j'ai réussi à les sauver. Oui, mais c'était pour un sacrifice d'enfant, c'est certain. C'est certain. Donc, ça, c'est D'accord. un autre point. Après, j'ai refait une sortie de corps et j'ai atterri dans l'univers où donc il y avait c'était magnifique, une constellation rose. Et j'avais envie d'y aller, mais j'étais retenue parce que la beauté, ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée. Mais c'était magnifique. Oui. D'accord. OK. Et j'ai atterri dans le désert avec ma chienne, où là, c'était vraiment le désert. Alors, d'ailleurs, j'étais étonnée d'embarquer ma chienne avec moi. Et il y avait une guerre. C'était la guerre et c'était des vaisseaux. Oui, triangulaire, et c'était assez virulent. Hein. Il fallait pas rester là. D'ailleurs, je lui ai dit, on va s'en aller parce que sinon, on va nous tuer, quoi. C'était spectaculaire. Hein. C'était pas un film, c'était vraiment la réalité. Hein. Oui, Ok. oui. Et un autre point que, dans, parce qu'il y en a plein d'autres, mais bon, j'ai essayé de Oui, tu réfléchir. vas pas tout nous citer parce Non, que c'est pas ça, possible. bon, c'est pas, Et le on va pas faire tout, voilà, tous tes c'est ça. voyages. Dernier. C'était un laboratoire, c'était par rapport au Covid. Et donc, j'ai atterri dans un laboratoire et c'était tout blanc. Et là, il y avait une énorme seringue et j'ai dit non. J'ai dit non, 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 il est hors de question, non. Et là, à partir de ce moment-là, hop, je suis partie. Voilà. Donc, Donc, ça fait partie des points les plus importants. Il y en a d'autres, mais bon, voilà. Et voilà. ok. Bon, tu as fait le tour de tes points alors? Il y en a plein d'autres, mais voilà, ceux-là déjà, Oui, c'est ça, je m'en doute. Des anecdotes, je pense que tu en as plein, mais voilà, c'est pour que tu aies une idée à peu près de ce qui se passe quand. Ah, juste une petite chose. J'ai Oui. vu une forme humaine argentée chez mes parents quand j'avais 13 ans. Avec d'autres points, parce que j'ai survolé les laves, on me demandait de l'aide aussi, etc. Mais la forme humaine, elle était lumineuse, transparente et argentée. Et elle a été là pendant 3 jours. 3 jours. D'accord. Et je me suis dit, mais c'est curieux, elle est là pour ma mission de vie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que. Elle était là. Ok. Tu avais quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans. 13 ans, 13 ans et demi, 12 ans, dans D'accord. ces Enfin bon, eaux-là. c'est pas. On n'est pas dans la précision. D'accord. Ok. Bon, bah si c'est bon pour toi, je te laisse couper le son. Voilà. Et on part pour l'aventure. Voilà, alors le son, le son, le son, le son. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 220. Je te laisse augmenter.18 800. 18 800. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 298. Je m'aligne sur toi. Oui. Bien. À présent, connecte-toi sur Fleur et dis-moi comment tu la vois. Très légère, son énergie est très légère. Elle doit presque faire un effort pour se rattacher au plan 3D. Elle est toujours à la limite. Entre deux plans. Ça crée des déséquilibres en fait, parce qu'à chaque fois, elle est obligée de restabiliser. C'est semblable à, tu sais, aux oiseaux qui planent et qui se laissent porter par les courants d'air. Eh bien, elle, c'est pareil. Mais au niveau des énergies, elle est sans arrêt en train comme de sauter d'un courant à l'autre, de guetter le prochain courant pour se maintenir en équilibre. Et en même temps, elle doit garder le contact et l'ancrage avec la troisième dimension. Donc, rien que cet effort-là,
d'équilibrage et d'ancrage, je lui demande déjà beaucoup d'énergie. D'accord. Elle a une sorte de ventouse dans le dos et un crochet qui est accroché à cette ventouse et qui passe tout le long de son côté gauche et qui la maintient. Tu sais, comme ces ballons dans les fêtes foraines qui sont maintenus par des fils de fer. C'est un peu la même chose. Elle a cette sorte de fil de fer énergétique qui la maintient entre deux. C'est assez inconfortable d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se stabiliser vraiment. Ça la maintient entre deux. Ça passe à travers son pied gauche, sa cheville gauche. Ça passe à travers le genou, la hanche. Ça passe par, ça vient traverser le chakra du cœur, ça repart vers l'omoplate gauche, ça redescend dans le bras gauche. Ça fait tout un crochet là. Et il y a une grosse ventouse le long de ce crochet au niveau de l'omoplate. Ok. Bon. Très bien. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème tout ça? Là, c'est des douleurs, mais des douleurs aiguës. Mais c'est intermittente, c'est pas régulier. Ce dont elle parlait tout à l'heure dans son dos. Oui. Ok. Il y a une fuite d'énergie au niveau du pied gauche. Ça part par le gros orteil. D'accord. Ça explique la raison pour laquelle elle a toujours un problème. Oui. Ça part par le gros orteil. Comme une fuite dans une chambre à air, c'est pareil. Okay. Et cette fuite d'énergie participe à la déstabilisation de son espace énergétique. D'accord. C'est pas la seule cause, mais ça y participe. Ok, c'est ce qui crée ces déséquilibres. D'accord. Il y a des tensions aussi au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Ça, c'est parce qu'elle essaye de garder l'équilibre, justement. Donc, ça crée en effet secondaire, on va dire en conséquence, des crispations là derrière la nuque et au niveau des trapèzes. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Tout son espace énergétique est rempli de flashs de couleurs, en fait, très rapides, très vifs. C'est des rampes de lancement. Elle me fait penser en fait à un véhicule de course qu'il faut brider, sinon elle part sans prévenir. Et au niveau de ses énergies, je veux dire, c'est rapide, ça peut vite devenir incontrôlable. C'est-à-dire partir dans des directions comme un bolide, à toute vitesse, et ensuite il faut revenir. D'accord. Et ces couleurs-là, ces flashs de couleurs, ça vient d'où? Ça fait partie de son essence. Ah. Le fait que ça fasse des flashs, c'est parce que je la vois dans la troisième dimension. Donc il y a un différentiel énergétique. Parce que elle n'est pas de la troisième dimension, mais le fait d'y être incarnée, ça crée comme des, c'est ça qui crée ces flashs électriques, c'est des différentiels, comme quand tu as une lampe électrique qui va avoir des surtensions ou des sous-tensions, tu as des sortes de flashs et la lumière n'est pas stable. Donc là, c'est un peu pareil, mais c'est très vif et coloré. Ok. Tu as autre chose? Il y a un tourbillon au niveau de son chakra coronal.
Oui. D'où est-ce qu'il vient ce tourbillon? C'est un vortex naturel ou... C'est un équilibrage. C'est un équilibrage de l'élémental de son corps physique pour se maintenir dans la 3D. Parce qu'en fait, il y a pas assez d'ancrage qui vient d'en bas. Donc c'est pour ça qu'il y a ce tourbillon. Il y a un double effort au niveau du chakra couronne parce qu'il n'y a pas l'ancrage en bas. Il essaie de compenser. Oui. D'accord. C'est tout. Bien. Alors, vérifie son ADN éthérique. Vérifie que il s'agisse bien de fleurs. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Puisqu'elle me cède son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Je compte à trois, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Il y a des entités qui ont une odeur bizarre, qui sont marron noir, craquelées. Leur apparence est craquelée comme du vieux cuir. Et en même temps, c'est brillant. C'est des insectes. C'est une sorte de carapace d'insectes. C'est comme des grosses fourmis. Il y a des grosses fourmis avec des ailes. C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Et il y en a deux sortes. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'ailes, mais qui ont des pattes démesurées par rapport au corps. C'est comme s'il y avait deux factions insectoïdes, en fait, proches d'ailes. Ces pattes démesurées, c'est plutôt des araignées, non? Arachnoïdes ou toujours Oui, c'est des sortes d'araignées. sorte d'araignée, hein? Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre encore comme entité? Ce sont ces entités-là qui occupent le terrain, en quelque sorte, et qui exercent une pression pour la garder dans leur territoire, parce qu'il y a en arrière-plan. Il y a des présences reptiloïdes qui sont intéressées pour la récupérer, mais qui, pour l'instant, malgré leurs tentatives, n'ont pas réussi à mettre la main sur elle, directement en tout cas. D'accord. Elle est l'enjeu, en fait, d'un combat ou quelque chose comme ça, comme un objet rare que deux rivaux tentent de se dérober. D'accord. Tu vois autre chose? Jusqu'au plan archaïque. Y a des désincarnés qui rôdent en fait autour d'elle. Il rôde autour d'elle parce qu'il y a ces entités, et parce qu'il y a ces entités, elle est maintenue dans une bande de basse fréquence. Et c'est dans cette bande-là qu'il y a ces désincarnés. C'est comme un enchaînement, en fait. S'il n'y avait pas ces entités, elle serait tout de suite dans des fréquences plus hautes, et donc il n'y aurait pas ces désincarnés qui tournent autour. Il Ok. serait là, il serait là, mais pas dans sa réalité. D'accord. Ensuite, il y a des entités qui ressemblent à des sortes d'anges, Ah oui. mais qui ne sont pas plus angéliques que moi. Ils font partie intégrante
de la matrice artificielle. C'est comme des sortes de gardiens du bon ordre des choses. D'accord. Ils ont une action sur elle, directement ou indirectement? C'est un petit peu comme si c'était les gardiens du jeu. Ils surveillent le bon déroulement des opérations. Et si jamais elle parvenait à s'échapper de l'emprise de ces entités, vues précédemment, il serait là en arrière-plan pour la capter, comme dans un filet énergétique, pour empêcher qu'elle s'échappe. Mmh. D'accord. Ok. Ça, c'était avant. Oui. Que vois-tu l'autre encore, jusqu'au plan archiavélique? En arrière-plan, les archontes. Archontes. Bon. Très bien. Alors, elle va déclarer qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, tous les plans de réalité, tous les plans donc multidimensionnels, quantiques et fractales, par toutes les portes cachées et tout ce qui est secret, et dans tous les états de conscience. Elle ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique. Tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ses corps et à ses énergies d'origine, donc s'en vont avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Tout a disparu en un clin d'œil, comme un rêve qui s'efface. Bien. Même cette sorte d'ange là, pareil, ils ont dégagé avec. Oui. Tout le monde est parti. Ok. Oui. Donc, elle se met dans une bulle christique. Oui. Elle va se créer des racines jusqu'au cœur du Gaïa. Oh oui, ça la stabilise tout de suite. Et se connecter à son essence. Oui. Elle puise les énergies des deux plans pour se ravigorer, reprendre de la force, de la puissance et de la conscience. Oui. Elle remet ses énergies en ordre. Mmh. Oui. Très bien. Alors maintenant, tu vas la scanner, tu scannes tous ses corps, tu regardes s'il reste quelque chose. Tu scannes dans plusieurs fréquences. Il y a des endroits, des zones où c'est déstabilisé. Mmh. Mais toutes ces fréquences sont les siennes. Très bien. Bon, pour ces zones, ce sera dans le cours du processus. Mmh. Ok. Donc, on va aller maintenant voir son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan moronciel. Bien. Comment tu vois son âme? Elle tente de se raccrocher à la partie physique. L'image qui vient tout de suite, c'est comme un drapeau qui est dans le grand vent. Donc l'âme serait le drapeau et la partie physique, le mât auquel le drapeau se raccroche. D'accord. Ok, alors fais-la se connecter à son essence. Oui. Voilà. Le vent s'est calmé. Très bien. Elle récupère l'énergie, elle reprend force, puissance, conscience. Ah oui, c'est fait. Comment tu vois sa partie subliminale? Sa partie subliminale se tient en arrière-plan. Elle lui sert de véhicule. Elle lui sert aussi de sécurité et de ressources quand il y a trop de dispersion au niveau des énergies dans la partie physique. D'accord.
Très bien. Comment est-ce que tu vois de vie incarnée sur Terre qu'il y en a eu? Il n'y a pas de suite de vie, il n'y a pas de chaîne de vie. C'est multidimensionnel, c'est Oui, quantique, c'est ça? mais en même temps, alors il y a plusieurs manifestations sur le plan physique, mais à chaque fois, c'est comme les coups d'aiguille d'une couturière. C'est ponctuel et séparé les uns des autres. Il n'y a pas de chaîne de vie, plusieurs vies prises dans une roue de réincarnation. Tu veux dire que elle a échappé aux roues de réincarnation, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est des pics successifs. Elle vient piquer en quelque sorte dans une vie humaine, comme une couturière vient donner son coup d'aiguille dans le tissu ou dans sa tapisserie, et hop, elle remonte. Et il y a comme un reset, une remise à zéro. Et ensuite, il y a, quand elle le décide, une autre manifestation sur le plan physique, humaine. D'accord. Bon. Et là, je n'arrive pas à les dénombrer parce qu'il n'y a pas de chiffres qui se présentent. C'est comme les fleurs dans un champ, comment les compter? Très bien. Alors, j'aimerais que tu ailles avant la toute première incarnation. J'aimerais savoir d'où elle vient, quelle est sa forme avant la première incarnation, avant l'entrée dans cette fausse matrice. La représentation de la fée Clochette dans le dessin animé, c'est quelque chose comme ça. Elle ressemble à quelque chose comme ça, mais beaucoup plus grande, plus fluide, transparente, plus rapide, mais beaucoup plus évoluée que cette petite fée du dessin animé. D'accord, et elle vient d'où? Où est-ce qu'elle a sa base? En 12e dimension. Elle vient d'une planète? Non, c'est pas une planète, c'est un espace-temps, mais qui n'est pas une planète. Ok, et cet espace-temps, il y a d'autres congénères comme elle? Pas autour d'elle directement. Son énergie est trop rapide pour qu'il puisse y avoir d'autres présences autour d'elle. Alors, il y a d'autres présences de la même nature qu'elle, mais toutes sont éloignées en fait les unes des autres. Elles sont à la fois semblables, mais pas dépendantes les unes des autres, pas rassemblées au même endroit non plus. C'est comme s'il y avait une sorte de dispersion dans cet espace-temps-là, Est-ce qu'elle a avec des départs et des retours. Elle a un rôle, une fonction dans cet espace? Elle me montre un dessin. Elle participe au dessin, à la mise en place du dessin. Qu'est-ce que tu appelles le dessin? C'est la structure de l'univers. Elle dessine la structure de l'univers. Ou plus exactement, elle y participe, mais comme la pointe d'un crayon participe à l'avancée, à la mise en place d'un dessin. D'accord. Et de quelle manière elle participe alors? Alors, il y a plusieurs manières, mais celle sur laquelle elle est concentrée maintenant, c'est l'incarnation dans des vies humaines. D'accord. Et l'incarnation dans des vies humaines, ça participe à la structure de l'univers. Oui. De quelle manière? Qu'est-ce qui fait qu'une incarnation humaine participe à la structure de l'univers? Parce que c'est un des éléments du tableau.
Ok. C'est une analogie, mais c'est une des couleurs du tableau. S'il n'y avait pas ces manifestations-là, sur le plan humain, il y aurait comme des trous dans le tableau et des aspirations d'énergie. Donc c'est la raison de ces incarnations. Oui. Elle a d'autres raisons également. L'harmonie, l'objectif, c'est participer à l'harmonie de ce vaste tableau. Alors un tableau, on l'imagine en deux dimensions, sauf que là, je suis plongée à l'intérieur de ce tableau. D'accord. Oui, nous sommes dans un tableau vivant, quoi. Oui, Hein? mais c'est le tableau vivant de l'univers entier. Très bien. Et donc, elle participe à créer l'harmonie, du moins participer à l'harmonie du tableau. Oui. Et de quelle manière? Par sa simple présence ou qu'est-ce qui participe en fait dans le fait d'y être? Elle va rattacher des points les uns aux autres. Parce qu'elle a cette capacité de déplacement très rapide. Il vient toujours cette image d'une aiguille avec le fil coloré qui se déplace et qui va relier un point à un autre pour former un dessin et qui va relier un point à un autre pour combler des vides et pour mettre des énergies en correspondance. Très bien. Et là, dans toutes les incarnations qu'elle fait, c'est sans prédation, c'est sans interférence. Écoute, je vérifie, mais à chaque fois, c'est tellement rapide. On ne peut pas la suivre, elle est trop rapide. Alors, qu'est-ce qui fait que cette fois, dans cette incarnation de fleurs, elle a ces dispositifs que nous avons vus et ces insectoïdes qui visiblement C'est temporaire. c'est temporaire. C'est-à-dire que la plongée, on va dire, dans les incarnations humaines comporte toujours des frottements, on va dire, des désagréments. Mais à chaque fois, elle arrive d'une secousse à s'en débarrasser. C'est plus ou moins long. Donc à l'échelle d'une vie humaine, ça peut paraître plus long, plus lourd, mais d'une autre perspective, d'une pichenette de la main, elle s'en débarrasse. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, elle n'aurait pas eu besoin de nos services. Elle a cette capacité de le faire elle-même. Oui, mais comme tous les humains. Sauf que encore faut-il en avoir conscience et pouvoir mettre en action cette conscience pour activer son pouvoir de création. Elle a choisi aujourd'hui précisément d'activer son pouvoir de création via le travail que nous faisons maintenant. D'accord. Ok. Bon. Alors, donc, tu reviens ici et maintenant. Oui. Alors, demande à son soi supérieur à partir d'où est-ce que nous pouvons partir pour faire le travail? Est-ce que c'est du plan Morentiel pour tout refaire à neuf? Est-ce que c'est à partir de son état on va dire, de fée que tu as vu tout à l'heure? À quel moment est-ce qu'il est bon de partir pour intervenir? De cet état d'être dans la 12e dimension. D'accord. Puisque son choix d'intervention est dans cette incarnation-là, dans le présent. Donc, à partir de cet état d'être, Mmh. de 12e dimension. Bon, on y va alors. Allez, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3.
Oui. Bien. Alors, demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, elle le sait. Elle le sait. Donc, je vais lui proposer d'aller directement dans cette incarnation, donc en tant que fleur, pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer donc son incarnation à neuf. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Bien, alors nous y allons. Je compte à trois et d'une manière quantique. Donc, elle y va. Juste à l'orée de son incarnation. Un, deux, trois. Y est. Alors, demande-lui quels sont ses projets maintenant pour cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions. C'est élargir son horizon dans cette incarnation. Parce qu'elle s'est laissée rétrécir son champ de possibilités dans cette incarnation et maintenant il est temps de se dégager de ce rétrécissement. C'est ça son objectif. D'accord. Je note. Parfait. Alors, c'est le moment d'entrer dans sa physicalité. Dis-moi à quel moment elle choisit d'y entrer. Et à 100%. Maintenant. Maintenant, alors, on y va. Oui, elle est là. Elle est connectée à quel pourcentage à son essence? 92%. 92%. Donc, proposer de monter à 100%. Oui. Elle va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle va programmer uniquement pour cette existence. Oui, c'est fait. Elle va regarder son arbre généalogique, décider de ce qu'elle veut faire. Si elle veut le couper entièrement, partiellement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre. Elle coupe pour 50% environ et pour l'autre moitié, elle réinforme, elle réaménage. Très bien. C'est bon? Oui. Elle regarde son ADN et décide de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le changer entièrement? Ou est-ce qu'elle veut le réaménager, réinformer, transmuter? Elle agit dans les mêmes proportions. Ok. 50% de remplacement, 50% de transmutation. Alors, on élimine les 50% qui vont être remplacés avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Alors, maintenant, elle va refaire donc ses 50% avec le charme, le chêne de l'arbre de création. Dans sa perfection initiale, ou en tout cas dans la meilleure version possible. Oui, c'est bon. C'est bon? Elle va remonter sa ligne de temps. Ah ben non, c'est ici et maintenant. Ben non. Donc c'est ici et maintenant. Elle va donc enrouler cette nouvelle ligne de temps. Qu'elle fait en fait, c'est que est-ce que tu vois ces sortes de fontaines où il y a un axe central avec un jaillissement qui vient de cet axe central et comme un rideau d'eau Tout qui autour. tout autour qui retombe comme une sorte de parapluie d'eau. Là, dans sa ligne de vie, il y a le point central semblable à cette fontaine. Et elle, ces lignes de vie, en fait, jaillissent de la même façon que cette fontaine dans son passé et dans son futur, en ayant au centre l'instant présent. Bien. Est-il nécessaire de l'entourer Oui. d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa Oui. source? Alors allons-y. L'ensemble de ce qui Ok, est écrit, oui. pour l'ensemble, c'est cela. Ça y est. Bon, alors nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. C'est correct pour elle? Oui. Elle déclare,
que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreintes, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, donc j'invite Fleur à être pleinement présente, consciente et participative, mais je vois qu'elle l'est déjà, donc c'est inutile de le dire. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïdiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et ainsi des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions précitées. Oui. Pour nous deux, nous allons aussi éliminer les lois de conséquentialité jusqu'à la fin de la séance. 1, 2, 3. C'est fait. Rompre, effacer avec racine et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, dans les mêmes conditions, et également les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Maintenant, effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Ok. On intègre tout ça dans tous ses états de conscience. C'est fait. Elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler le côté psychologique. Alors, si tout ne la concerne pas, tout va y être proposé. Elle déclare. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres et à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Attends, je te demande une seconde. Hop, voilà. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit, et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers.
Oui. Je me libère de mes tendances assombries dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. C'est bon? Oui, il y a une coupure, mais c'est bon. Je répète. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. « Je me pardonne totalement, en tout et pour tout. » Oui. « Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. » Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Oui. Elle déclare « Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. » Oui. Je suis le maître de mon jeu. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle veut conserver dans ce qui est juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celle précitée de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, juste pour la forme, vérifie s'il y a quelques marquages ou traçages archélévéniques ou matriciels. Non, il n'y en a pas. Bon, je m'en doutais. Alors, elle va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. C'est fait. Bien. Elle va faire connaissance avec l'élémental de son corps et tu vas me dire comment tu le vois. C'est deux pyramides inversées, imbriquées l'une dans l'autre. Lumineux. C'est tout lumineux. D'accord. Ok. Y a-t-il besoin de connexion et d'activation ? C'est déjà fait. Bien. Donc, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyages, guérisons, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Pour ça, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui.
Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Tachyon mère au... Alors, est-ce que tu veux que je reprenne le début de la liste ou je reprends à la particule quantique? La particule tachyon. Alors, allons-y. Donc, le neutrino, c'est fait, d'accord? Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives. Oui. Installer un programme également de protection contre les influences de la conscience collective qui rend le corps émotionnel et mental imperméable et créer autour d'eux un corps diamantin. Oui. Un programme de protection contre les mouvements lunaires et leurs influences. C'est fait. Programmer une parade à tous les contournements. Oui. Une alerte également au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. Oui, c'est fait. Donc, programmer la neutralisation, l'évacuation ou la transmutation de toute substance nocive dans le corps, sur le corps et autour. Oui. Et maintenant, programmer à titre préventif, donc contre le nouveau vaccin quantique hein, qu'ils envisagent de nous mettre, on ne sait jamais. Donc, créer une protection individuelle de chaque cellule avec adaptation constante et à toutes les mouvances. Oui. Créer aussi une adaptation au niveau de la conscience du sujet pour les marqueurs quantiques. Oui. Demander au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. Oui. Bien. Maintenant, elle va créer une protection contre les ordinateurs et leurs influences, et l'influence également de l'intelligence artificielle. C'est fait. Très bien. Elle va programmer tous ses programmes pour être stable et indestructible. Oui. Elle les programme également pour être adaptable à toute situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Très bien. Maintenant, elle va créer et activer son code de vie. C'est fait. Installer l'arbre de création et l'activer dans les deux sens. Oui. Et installer une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Nous allons tout d'abord éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation de chacun
1, 2, 3. C'est fait. À toi. Elle déploie un cercle de lumière, elle vient se placer au centre. Là, elle déplace son atlas et ça déclenche cette onde puissante qui vient passer vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre, qui vient les réinformer, les réinitialiser, les replacer, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elle est reliée. Ça génère un effet de détente, en fait, de tout le dos, c'est-à-dire même, ça se transmet même jusqu'au niveau musculaire. Ça descend tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au niveau du coccyx, où là, il y a quelques couches grises, claires et gris foncé, plus sombres. Et cette onde vient littéralement désintégrer, souffler, éliminer. C'est des couches mémorielles en fait qui s'étaient stockées, logées là. Il n'y a plus rien. Tout est fluide maintenant. C'est bon. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe si on connecte toutes ces parties au chakra cardiaque ? Ça vient stabiliser le travail. Ok. Alors, on va l'enrouler, enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'une double sinusoïde d'énergie issue de sa source. Oui. Maintenant, je vais proposer à son élémental l'ensemble des systèmes principaux dans lesquels il va travailler dans le détail et dans le global de chacun, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. Nous allons tout d'abord éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Alors, il peut utiliser le gabarit de l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes à neuf, suivant la version du schéma initial divin. C'est système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui. Système respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons toutes les programmations dans les mêmes conditions que précédemment sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour les sens extrasensoriels, donc pour chacun des canaux, protection, sécurisation, activation. Sécurisé et activé. Bien. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Alors, le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Et l'ostéopathie générale. Oui. Tu connais cet instrument qui s'appelle le triangle ?
Oui. Ça donne un son cristallin particulier. C'est sur cette fréquence-là qu'elle s'est connectée pour venir accorder tous les éléments de sa physicalité, du plus fluide au plus dense. Il y a des micro-mouvements dans tout son corps, de réajustement, de rééquilibrage au niveau des organes, des muscles, des tendons, des cartilages jusqu'aux os. C'est bon. Bien. La micro-kiné. Oui, elle active les points de correspondance et ça vient déployer ses corps subtils harmonieusement. C'est fait. Massage métamorphique. Elle met en route cette réserve d'énergie immédiatement disponible. C'est fait. Bien. Maintenant, les chakras principaux avec les glandes associées. Donc chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Chakra, dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Chakra souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 12 activés. Ok. C'est bon. Alors, on va travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans sont éliminés. Oui. D'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Alors maintenant, elle va équilibrer les polarités avec l'implant neutre. Équilibré. Pendant que son élémental continue à travailler, nous, on prend sa liste. Alors d'abord, elle veut qu'on fasse venir sa maman. Oui. Son frère, Oui. ses deux filles, Oui. ses deux gendres, Oui. ses trois petits-enfants. Oui. Bon, pour ceux qui ne sont pas plus dans ce monde, on verra après. Sa chienne Oui. et sa petite minette. Oui. Bon, alors est-ce qu'ils sont tous là? Tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors que tout le monde prenne connaissance du travail qu'elle est en train de faire et demande-leur s'ils sont intéressés pour le faire pour eux-mêmes. Est-ce qu'ils veulent profiter de l'opportunité? Oui, ils sont un petit peu comme sur un balcon au spectacle et ils n'ont pas la même rapidité en fait. Mais oui. D'accord, mais chacun le fait à son rythme. Ce n'est pas un concours de rapidité. Hein? Donc, est-ce qu'ils acceptent tous que je leur donne un coup de pouce avant de commencer? Oui. Alors, pour chacun, puisque chacun donne sa permission, donc toutes les entités en lien direct et indirect et jusqu'au plan archavélique pour chacun d'eux, avec tous les dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à leur corps ou énergie d'origine, donc. Avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, etc. Sous tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps. Je compte à trois et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. Un, deux, trois, pour tout le monde. C'est fait. Très bien. Alors chacun se met dans une bulle christique, se connecte, enfin crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa.
programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et son ADN. Oui. Il regarde donc ce qui a été fait jusqu'à présent et il continue sur ce que nous allons faire. Est-ce que c'est bon pour eux ? Oui. Ils ont tous compris ? Oui. Tout le monde s'y est mis ? Oui. Bien. Alors nous les retrouvons pour la fin, pour la douche finale. Oui. Bien. Alors maintenant, tu vas appeler son papa qui a quitté ce monde. Oui. Comment le vois-tu ? Il est à la limite de ce plan-là. Il est toujours relié au monde physique. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il est encore relié à ce monde ? Il est relié à sa fille. Mmh. Mais ce n'est pas une situation désagréable. Ça n'est ni agréable ni désagréable, en fait. C'est un fait, c'est tout. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite pour lui ? Est-ce qu'il souhaite un coup de pouce pour quitter ce plan ? Il est bien, en quelque sorte, là, parce qu'il est à proximité de l'énergie de sa fille. Mais c'est tout ce qu'il retient, parce que pour le reste, c'est plutôt lourd, instable et désagréable. Ok. Bon, en même temps, si c'est pour rester connecté à sa fille, c'est pas forcément souhaitable. Demande à son soi supérieur qu'est-ce qui est bon pour lui. Parce que ça veut dire qu'il est dans une forme d'attachement. Mmh. Le soi supérieur demande de l'allègement. D'accord. Est-ce qu'il demande de le libérer de ce plan-là ? Pour qu'il y ait cet allègement, c'est indispensable, oui. Très bien. Alors, il faut que celui qui a été son père soit d'accord. Alors, explique-lui qu'il est temps maintenant qu'il quitte cet endroit, qu'il quitte ce plan, qu'il a mieux à faire ailleurs, et surtout qu'il libère sa fille, puisque pour rester là, il a besoin d'énergie, et à mon avis, il pompe son énergie. Mmh. Il y a comme une prise de conscience qui se fait. Voilà. Parce que l'énergie de sa fille a changé. Il y a un détachement qui se fait. C'est en fait l'énergie de sa fille qui prend son indépendance et qui vient... C'est comme si elle lui signalait qu'elle n'avait plus besoin de lui. Comme si elle lui lâchait la main. Donc, il n'y a plus la même nécessité. Les conditions viennent de changer, en fait. D'accord. Donc, il accepte le coup de pouce, alors ? Oui. Bien. Alors, dis-lui qu'avant de quitter ce plan, il doit récupérer toutes ses énergies dans tout ce qui est organique et organique. Il ne doit rien laisser sur Terre. Pour profiter pleinement de là où il va aller. Oui. C'est OK ? Oui. Donc il se connecte à son essence maintenant. Il a quelque chose à dire à celle qui a été sa fille sur ce plan ? Il y a de l'amour en fait qui se transmet et c'est comme si elle avait grandi. Et qu'il n'ait plus besoin d'être là pour assurer son installation sur le plan terrestre. Donc, comme la plupart du temps, ça ne vient pas en termes de mots, c'est des paquets d'informations qui arrivent. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bon ? Oui. Il est connecté à sa source ? Oui. Il prend de la force, de la vigueur, d'énergie, de la conscience. Oui, il se... C'est comme si ça remontait, qu'il y avait des détachements successifs. Ça se fait par morceaux, par paliers. Très bien. Alors, par tous les paliers nécessaires maintenant, il remonte jusqu'à sa source.
C'est fait. Très bien. Bon. Eh bien, maintenant, on va appeler ces deux chats qui ont quitté ce plan. Oui. On regarde comment tu les vois. Ils sont comme dans une sorte de, d'univers parallèle. Mmh. Ils ont quelque chose à dire à celle qui a été leur maîtresse? Alors écoute, ils sont dans cette sorte d'univers parallèle et la frontière entre leur univers et le nôtre est souple. Donc en appuyant avec les pattes, ils arrivent à déformer cette ligne entre les deux espaces. C'est comme quelque chose de mou qui se déforme, mais ils ne peuvent pas la traverser. Ça veut dire quoi que ils ont besoin d'aide? Non, ils sont à leur place. D'accord. Il y a une réintégration dans l'âme groupe qui s'est produite et ça crée cette sorte de frontière souple, invisible, mais c'est une sécurité aussi. Tout ce qu'ils avaient à transmettre, ils l'ont transmis quand ils étaient sur le plan terrestre avec leur maîtresse. Très bien. Bon, bah écoute, on va les saluer. Ils continuent leur chemin. Il y a quelquefois quand même des... Parce que cette barrière sécuritaire souple et transparente entre les deux espaces transmet toutefois les images. Donc, ils ont pu ou peuvent apparaître parfois à leur maîtresse, mais c'est au travers de cette barrière souple. Mais tout est correct de cette façon-là. Mmh. Chacun est à sa place énergétiquement parlant. C'est bon. Bien. Alors, on laisse continuer. On les salue. Très bien. Alors, regarde sa petite minette, donc qui aurait une tache noire sur le foie. Regarde sa petite minette et regarde son foie. Oui. Qu'est-ce que tu y vois? Une sorte de cordon qui noir qui part de son foie. C'est comme si son incarnation sur le plan terrestre avait subi une déperdition d'énergie au moment de l'assemblage des cellules de son corps physique. Mais c'est quoi? Donc, ce cordon? C'est un cordon de fuite d'énergie. Et d'où est-ce qu'il vient, ce cordon? Il vient de l'espace d'où elle vient, c'est-à-dire de l'espace où se forme l'individualité des animaux. Mais ce cordon, c'est naturel? Oui, c'est naturel, mais qu'il soit noir, ça n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un dysfonctionnement au moment de l'incarnation. C'est pour ça qu'il est de couleur noire et qu'il y a cette déperdition d'énergie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, alors? Il faut comme boucher, bloquer la déperdition d'énergie et... La fuite? Il y a une fuite? Oui. Et réénergiser toute la zone de son foie pour réinformer les cellules souches. Ok. Alors, vas-y. Tu bouges déjà la fuite? Oui, c'est fait. Elle se connecte à son essence. Elle reprend de l'énergie et elle réinforme en même temps ses cellules souches, toutes ses cellules, réinforme son soi, son foie, pardon, et tous les systèmes d'ailleurs, tout le système digestif. Oui, c'est fait, c'est en train de se faire. Très bien. C'est bon. C'est bon pour elle? Oui. Très bien. Ok. Alors, on va passer à autre chose. Donc, cette amie dont elle parle, qui a changé du jour au lendemain, voilà. Regarde,
Regarde qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette personne. Une cape noire qui s'est abattue sur cette personne, qui est venue l'envelopper. Cette cape noire, elle est composée d'une sorte de suie solide. Mais c'est semblable à de la suie, c'est-à-dire que à la fois il y a cette matérialité sur le plan éthérique, et à la fois, comme la suie que l'on connaît sur le plan physique, ça laisse des traces. Donc ça laisse des traces de cette suie sur les humains, les autres humains qu'elle côtoie. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu cette cape noire qui s'est posée sur elle? C'est comme si c'était une proie qui avait été prédatée. Ok. Tu peux communiquer avec elle? Oui, il semble qu'il y ait eu une faiblesse qui fait qu'elle soit restée un petit peu en retrait sur le plan énergétique à un moment donné, et elle a tout de suite été repérée. Comme quand il y a un troupeau, c'est toujours l'animal le plus faible qui est à la traîne et qui se fait prédater. C'est un petit peu la même chose. Donc il y a eu un moment de faiblesse énergétique et c'est là que cette cape lui est littéralement tombée dessus. D'accord. Ok. Donc, tu peux communiquer avec elle? Oui. Demande-lui si elle veut un coup de pouce. Attends, parce qu'elle est enveloppée à l'intérieur de cette cape et elle s'est raidie sur la défensive. Mais pas par rapport à nous, c'est par rapport à cette... C'est depuis qu'elle a cette cape, en fait, sur elle. Elle s'est enfermée dans une sorte de tour d'ivoire pour tenter de résister. Donc, essaie de lui montrer des images de ce qu'est en train de faire Fleur. Regarde si elle peut avoir accès aux informations. Ça lui semble lointain et trop difficile à faire, inaccessible pour elle. Alors, dis-lui que c'est pas inaccessible. Il me suffit seulement de sa permission. Si elle me donne sa permission, c'est simple. Ah oui? Oui, très bien. Alors, puisqu'elle me donne sa permission, on élimine toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, jusqu'au plan archaïque. On élimine tous les dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à ses corps et à ses énergies d'origine, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Elles auront tous les pactes, contrats, permissions, consentements sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences. Je compte à 3 et tout disparaît instantanément. 1, 2, 3. Elle s'est échappée de ce tourbillon. Elle s'est échappée de la cape qui l'enserrait. Bon. Voilà. Alors, elle se met dans une bulle christique. Oui. Elle crée ses racines. Et elle se connecte à son essence. Oui. Voilà, maintenant elle travaille sur son arbre généalogique, sur son ADN. Elle regarde ce qui a été fait jusqu'à présent et elle continue sur ce que nous allons faire. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui, c'est bon. Alors, est-ce que ça lui semble aussi difficile? Non. Très bien. Maintenant, c'est à sa portée. Bon, alors maintenant, on la retrouve pour la douche finale si elle le veut. Mm-hmm. Très bien. On les laisse continuer. Alors, donc, on revient à Fleur. Mmh. Alors, donc, ce fameux cercle qu'elle a dans le dos, sur le côté gauche, au niveau de l'épaule. Alors, il y a ce que tu as vu. Est-ce qu'il s'agit de ce que tu as vu? Est-ce qu'il y a autre chose? Regarde. Donc, qui est douloureux, hein, depuis quelques mois. Mmh, c'est la ventouse que j'ai vue tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il avait posé cette ventouse alors parmi ces insectoïdes-là? C'est une des ventouses d'une patte d'araignée. Ah, d'une patte d'araignée, d'accord, ok. Donc il n'y a plus rien évidemment sur cette nouvelle ligne de temps? Non. Bien. Regarde s'il reste quelques traces mémoire ou empreintes, s'il reste quelques traumatismes, images ou autres. Il reste traumatisme, mémoire, empreintes et images. Ok. Est-ce qu'il y a des habitudes?
Non. Ok. Alors on élimine tout, donc sur tous les plans, sur l'élémental, sur la conscience cellulaire, la cellule mère, la conscience organique et systémique, partout où ça se trouve, connu et inconnu, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, 1, 2, 3. C'est fait. Bon, alors, on regarde s'il y a besoin de réinformer et de consolider. Oui. Alors, allons-y. Oui, c'est fait. Et on connecte toutes les parties au chakra cardiaque pour recevoir de l'amour et de la force de vie. Oui. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Tout est... Il y a autre chose à faire? Non, c'est bon. Bien. Alors, ce fameux pied gauche tout le temps abîmé, ouais, des cicatrices, enfin, etc., au bras droit et à la cheville aussi gauche. Regarde, bon, regarde déjà le pied gauche tout le temps abîmé. On a déjà vu tout à l'heure qu'il y avait des fuites d'énergie, c'est ça? C'est Au ça. niveau du pouce, c'est ça? Oui, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. Hein? Ouais. Mais en fait, quand il y a la connexion au chakra du cœur, ce qui est venu s'expanser en fait du chakra du cœur, ça a comme brûlé en fait comment dire, ça a brûlé les mémoires et les empreintes et les traumatismes aussi de tout ce crochet qui va jusqu'au pied. Qui va jusque dans le bras, qui remontait dans l'épaule, clac, et qui redescendait tout le long et jusqu'au pied, jusqu'à cette fuite. Ça a tout traité, alors du coup. Oui. Très bien. Alors, ne serait-il pas plus simple de commencer directement par des connexions au chakra cardiaque? Ça évite de chercher les traces et les mémoires. Alors là, ça s'est fait de cette façon-là parce que c'était relié, c'était sur la même bande de fréquence et ça faisait partie de la même ligne en fait, c'est ça. D'accord. Donc ça s'est propagé comme une onde de lumière. Bien. Eh bien, parfait. Donc, ça comprend également la cicatrice au bras droit et à la cheville gauche. Ou c'est autre chose? Alors, ça, c'est des cicatrices. Non, c'est autre chose, ça. Alors, justement, regarde. Puisqu'on lui a dit qu'on aurait changé son sang lorsqu'il a été enfant ou bébé, je ne sais plus. Regarde en fait qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient sa cicatrice. Puisqu'il y a un flou artistique sur les événements, quelle information tu as toi? Alors, les informations qui viennent sont de type énergétique, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème de stabilisation sur le plan physique. Donc les cicatrices, elles sont uniquement d'origine humaine. Et il y a bien eu effectivement un apport de sang autre que le sien. C'est venu la conforter, la stabiliser sur le plan physique. Sinon, elle serait sautée, en fait, elle serait repartie. D'accord. Est-ce que ce sang vient de son père ou d'autres personnes? Oui, c'est lui. C'est lui? Et c'est pour ça qu'il était toujours, Relié à elle? c'est ça, dans les environs énergétiques. D'accord. Donc là, elle a coupé tous les liens, il est parti, il n'y a plus rien. N'y a plus rien. Très bien. Parfait. Alors, autre point, la phobie des araignées. Regarde d'où ça lui vient. Des entités qui rôdaient autour d'elle et qui Ouais. venaient la toucher, qui tentait de l'agripper et qui tentait de la retenir ou de l'accrocher dans des bandes de fréquences qui les intéressent eux et D'accord. qui tentait de se l'accaparer, de la retenir, de la bloquer. Bon.
Alors, cette nouvelle ligne de temps, bien sûr, elle n'existe plus. Non. On est d'accord. Est-ce qu'il en reste pour elle de cette phobie? Il reste des mémoires? Est-ce qu'il reste des traumatismes? Est-ce qu'il reste traces, empreintes, etc.? Images? Il y a des mémoires, des images, des traumatismes. Ok. Alors, si on connecte directement au chakra cardiaque, regarde si ça élimine tout. Oui. Ben voilà, j'ai trouvé un raccourci. C'est comme une traînée de lumière. C'est immédiat. Ça transmet tout. Bien. Alors, on va faire un essai. On va aller dans le futur. Oui. Je veux que tu la mettes en présence d'une araignée. Je veux savoir comment elle réagit. Il y a la constatation de sa présence, mais il n'y a pas d'affect particulier. Bien, très bien. Alors qu'elle prenne le temps de l'apprécier, de le ressentir. Oui. Voilà. Voilà. Et je veux qu'elle ramène tout ça ici et maintenant, qu'elle réinforme toutes ces parties d'elle. Sondes élémentales, conscience cellulaire, cellules mères, et tous ces systèmes, etc. Oui. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Très bien. Alors, autre point. Elle aurait eu de la magie noire. On regarde si c'est le cas. Alors, oui, elle en a eu, mais ça faisait partie du resserrement de ses champs de possibilités dans cette incarnation. Donc, ça s'est dégagé, mais ça faisait partie de ça, oui. D'accord, tu veux dire que ici et maintenant, enfin, avant la séance, la magie noire était résolue déjà? C'était déjà dégagé à 95%. D'accord. Et là, est-ce qu'il en reste quelque chose? Non. Très bien. Est-ce que c'est ce qui a agi sur sa relation à l'argent, sur son activité? Ça y a participé, disons que ça l'a accentué, mais la cause principale, c'était dû aux entités qui tentait de l'agripper, de la bloquer, de se l'accaparer. Très bien. C'est surtout se l'accaparer. Donc pour ce faire, il fallait la couper de toute source d'énergie, dont l'argent, ça fait partie de ça aussi. Ok. Alors donc il y a aussi un apparent éloignement de ses enfants vis-à-vis d'elle. On regarde si c'est un des effets de cette magie noire ou s'il s'agit d'autre chose. Non, c'est la couper, c'est toujours la couper des énergies qui pourraient lui donner de la force et de la puissance, la couper de ses liens affectifs, l'isoler, c'est ça, c'est l'isoler, qu'elle ressente ce sentiment d'isolement et qu'elle finisse par s'y renfermer dans ce sentiment elle-même. Ok, et d'ailleurs justement, elle parle de sentiment de solitude pesante. C'est ça. Voilà. Donc, on va regarder maintenant son corps mental. Et tu vas regarder toutes les programmations qui sont limitantes, aliénantes, etc., qui ne lui permettent pas d'exprimer le meilleur de soi et d'avoir accès à son meilleur potentiel. Oui. Très bien, qu'est-ce que tu vois comme type de programmation? De soumission, de solitude. Mais c'est surtout la soumission, en fait. Solitude, culpabilisation aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux injonctions contraires. À la fois, elle doit se soumettre, à la fois, elle doit agir. Et quand elle tente d'agir et qu'elle n'y arrive pas, il y a la culpabilité qui apparaît. Donc ça tourne en cercle comme ça, une sorte de cercle vicieux D'accord. qui vient Regardez. agripper, ça vient agripper, accrocher les programmations les unes aux autres. Regarde les émotions qui sont liées à ça. Les émotions et les sentiments, pardon. Alors, tristesse, lassitude, une fatigue émotionnelle. Et
le fait de ressentir, mais tout est lié, le fait de ressentir cette solitude. Bien, alors on va chercher la racine mère de tout ça. Tu vas remonter aussi haut que possible à l'origine même de tout cela. Elle remonte pas très haut, la racine, elle remonte à cette incarnation-là. Ah oui, pas d'autre. Non, il y a une remise à zéro à chaque désincarnation. D'accord. Donc, dans cette incarnation, ça l'amène où? Au moment où elle est venue intégrer les cellules en cours de division, après la conception. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle a ressenti ça alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est comme c'était comme un passage obligé pour pouvoir venir s'intégrer dans la biologie. Comme si pour intégrer la biologie, elle avait dû passer dans une sorte de labyrinthe ou de couloir. Et avec des étapes à franchir et des éléments à accepter. Donc, il y avait l'acceptation des programmations pour pouvoir arriver jusqu'au moment de l'intégration dans la biologie. Très bien, mais ce n'est pas sa première incarnation, donc c'est déjà un processus qu'elle connaît. Oui et non, parce qu'elle se remet à zéro elle-même. Quand elle revient à son plan d'origine en 12e dimension. D'accord. Donc c'est comme si à chaque fois c'était une première fois. Oui. D'accord. Ok. Donc on va la remettre à zéro maintenant. On élimine cette racine mère. Voilà. Dans toute sa dichotomie et dans toutes les parties d'elle. Je compte à trois. Et avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif, reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Scanne son corps mental et son corps émotionnel. Regarde si tu y vois encore, il voit encore quelque chose. Non, il n'y a plus rien. D'une autre perspective, la concernant, chaque incarnation est une bulle de création. Donc, le fait qu'elle reparte de zéro en ayant perdu la mémoire de ce qui pourrait arriver, ça lui permet de diversifier et d'enrichir chacune de ses incarnations, puisqu'à chaque fois, elle trouve le moyen de se dégager et d'inverser, en fait. C'est-à-dire que de quelque chose qui pourrait être considéré comme négatif, claque à chaque fois, il y a une inversion, elle passe de l'autre côté, elle shift, elle bascule en positif. Et à chaque fois d'une façon différente, comme dans la nature, chaque fleur, bien que ce soit la même variété, est différente. Mmh. Très bien. Donc bon. Si on considère le monde végétal avec cet exemple de fleurs, ça fait partie de la diversité végétale. Ça fait partie de la diversité du vivant. Donc, c'est comme ça qu'elle le conçoit de son plan de 12e dimension. Bien que nous, de notre plan à nous, nous le considérions de façon différente. Très bien. Alors maintenant, pour s'autoprogrammer, on va la faire se connecter directement à sa partie d'elle en 12e dimension. Comme ça, elle va être en contact avec qui elle est vraiment, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie. Oui. Alors, maintenant elle reprogramme son corps mental et son corps émotionnel à la lumière de sa véritable nature. Ah oui, c'est fait. Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent ? En équilibre. D'accord. Mais est-ce qu'elle retrouve
Est-ce qu'elle se reconnecte à toutes ses belles qualités? Oui. Elle se reconnaît dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie? Oui. Sa créativité illimitée? Oui, dans tout son équilibre. Très bien. Et dans alors, toutes ses possibilités. Bien. Alors, elle va aussi se programmer dans le fait que elle a accès à l'abondance. Toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes, que ce soit sous forme d'argent ou autre, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Qu'elle est digne de recevoir, elle est dans sa légitimité. Ça dégage le terrain, on va dire. Ça ouvre l'espace pour qu'elle puisse développer ses potentialités. Très bien. Et y compris, donc elle se programme également pour ses capacités illimitées dans sa créativité à l'exprimer dans quelque activité qui soit, celle qu'elle décide dans la réussite et dans l'efficacité. Oui. Très bien. Donc elle est en contact avec ses capacités. Oui. Avec sa légitimité. Oui. Et l'amour qu'elle est, je veux qu'elle le ressente en elle, dans chaque cellule de ton corps, de son corps, dans chaque fibre, dans toutes ses parties. Qu'elle le ressente pleinement, qu'elle le rayonne et qu'elle l'irradie en même temps. Oui. Et je veux qu'elle le sente comme une puissante certitude, une conviction profonde et une puissance tranquille. Oui. Est-ce que c'est bon pour elle? C'est bon. Comment tu la vois? Elle étincelle. Bien. Alors, est-ce qu'elle va se sentir encore dans la solitude? Non. Très bien. Cette solitude venait de cet état d'ignorance, en fait, de la partie physique. Bien. Elle va se connecter par le cœur à ses enfants, d'ailleurs. Allez, soyons fous. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Il y a une reliance qui se fait tout de suite. Très bien. Et les enfants sont participatifs? Oui. C'est des deux côtés. La reliance se fait des deux côtés. Bien. Parfait. Alors, on va continuer dans sa liste. Donc, dans sa maison, bon, on la verra tout à l'heure. Hein, il y a des bruits et des présences. Donc, on fera ça on va à la fin. Donc, c'est sortie du corps. Donc, cette fameuse sortie du corps où elle s'est vue au fond de la mer avec ce fameux gardien à tête d'oiseau. Voilà. Regarde ce qui s'est passé. Donc, quand elle a voulu y aller... elle a entendu à l'intérieur d'une pyramide en y mettant sa main, donc des voix qui demandaient de l'aide. Regarde ce qui s'est passé là en fait. Et quand elle a voulu y aller, on lui a dit non. Alors, on l'a empêché. C'est-à-dire qu'elle fait comme les chamans en fait, elle se déplace de monde en monde, mais sans toujours maîtriser la direction. D'où les questionnements. Quand elle revient, de où suis-je allée, où est-ce que c'était? C'était ce que l'on appelle un monde parallèle, en fait, tout simplement. D'accord. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on lui a dit non quand c'était qui ces êtres qu'elle a entendu demander de l'aide? Pourquoi est-ce qu'ils demandaient de l'aide? Il y a des prisonniers dans des caves, ou en tout cas en sous-sol. C'est conscience prisonnière qui demandait de l'aide. D'accord. Mais ça ne la regardait pas, en fait. C'est pour ça qu'on lui a dit de repartir. Et quelles sont ces consciences prisonnières? Il s'agit de qui? C'est un autre jeu auquel elle a assisté. C'est-à-dire que... Tu me poses une question, mais c'est comme si ce n'était pas intéressant vraiment de savoir, en fait. D'accord. C'est-à-dire que il y a, si on peut considérer l'espace terrestre comme étant un plateau de jeu, quand on se déplace comme le font les chamans, on arrive sur d'autres plateaux de jeu. Oui, d'un niveau à l'autre.
C'est ça, il est accepté de les visiter, mais pas d'y intervenir. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on lui a dit de retourner d'où elle venait. Et c'est bon pour nous aussi, alors. Exact. C'est l'histoire d'un autre temps, d'un autre espace-temps, mais ça n'a pas de... Ça n'a pas de lien précisément avec ce que nous appelons notre présent. Ok. Et nous n'avons pas à jouer les sauveurs, c'est ça. Non. Bon, chacun à sa place. Non, parce que ce serait réellement interférer. L'ingérence. Oui. Ok, j'ai compris. Très bien. Bon, en tout cas, c'est bien une sortie du corps et elle a bien visité ce monde parallèle, donc elle n'a pas rêvé. Dans son quartier, ces femmes qui se lissaient les cheveux et avec des enfants allongés, qu'elle supposait que c'était pour être sacrifiée et qu'elle a sauvée. Regarde qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est encore et toujours des visites dans d'autres espaces-temps, sauf que celui-ci, précisément, est beaucoup plus proche du nôtre. C'est-à-dire, voilà, ça se passe de la façon suivante. Plus elle va, ce qu'on peut appeler loin, moins il y a possibilité d'interférence ou d'intervenir. Plus c'est proche, plus c'est en résonance avec notre monde à nous. Et les mondes, quelquefois, s'entremêlent et interagissent les uns avec les autres. Donc là, elle a pu interagir parce que ce monde-là est proche du nôtre. Les frontières sont souples entre les mondes et elles sont poreuses. Elles sont mouvantes. Donc il est parfois possible de passer d'un monde à l'autre et de passer par des portes, de faire intervenir des éléments dans un monde, de les faire sortir d'un autre, etc. C'est comme un cercle. Plus on s'éloigne, moins c'est possible et moins c'est souhaitable et plus ça dérange, on va dire, une sorte d'ordre établi cosmique. Moi, c'est autorisé, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. Donc là, elle a pu effectivement intervenir. Oui. Bien. Alors, autre point, donc une autre sortie du corps où elle s'est trouvée dans l'univers, dans les constellations. Constellation rose. Regarde où est-ce qu'elle était là? Elle est partie dans le haut astral. Ah oui? Donc elle s'est vue atterrir dans le désert avec sa chienne. Et il y avait une guerre, voilà, des vaisseaux en guerre. Mais en fait, elle passe très vite les frontières d'un monde à l'autre. C'est comme une fusée. Et sa chienne l'a accompagnée, là? Quelquefois, elle l'accompagne, quelquefois pas. Ça dépend des fréquences, en fait. Quelquefois, sa chienne peut venir avec elle, quelquefois non. D'accord. Ok. Bon, alors autre point, donc elle atterrit dans un labo, toujours en déplacement multidimensionnel, et une énorme seringue. Et elle a crié non. Alors de quoi s'agissait-il là? Elle est allée dans une ligne de futur potentiel, très proche. Est-ce que ça a à voir avec notre vaccin? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir en fait par rapport à ça? Tout simplement ça, donc c'était le futur. Et c'était en lien avec le vaccin. Oui, c'est un des futurs potentiels, mais qui se rapproche à grande vitesse. D'accord. Ok. Et là, tu le vois tu le vois bien se rapprocher, ce futur-là, Oui. avec ce vaccin. Tu vois qu'il a de grandes chances pour être imposé. Oh, oui, les lignes de temps bougent sans arrêt, mais les probabilités, oui, grandissent à toute vitesse. Mais ça
peut encore être. Tu sais, c'est comme quand un astéroïde qui arrive à toute vitesse sur la Terre, la trajectoire peut toujours être évitée. Dévié. Dévié. Ok. Très bien. Il n'y a pas de fatalité absolue. D'accord, tout est possible. Hein. Même si une probabilité est très forte, c'est pas inaliénable. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, je suis plus sur cette image-là. Je suis revenue sur elle, sur Fleur. Oui. Sa partie subliminale s'est stabilisée et c'est ce qu'on va appeler des voyages, en fait, dans les autres mondes, vont être plus stables, plus maîtrisés. Plus maîtrisés. Ok. Dernier point. Lorsqu'elle était donc enfant chez ses parents, elle a eu une forme humaine argentée. Elle avait à peu près 13 ans. Regarde de qui il s'agit. Il restait à peu près 3 jours. Il y a une notion de travail qui apparaît tout de suite. Oui. Il y a un être qui est venu travailler, en fait, mais il n'était pas dans la troisième densité. Elle, elle l'a aperçu parce qu'elle se déplace sans arrêt, c'est-à-dire que même sans rendre compte. Elle se retrouve tout de suite sur un autre plan où elle voit plusieurs plans en même temps. Elle est comme dans un couloir où elle a accès à plusieurs plans en même temps. Donc c'est pour ça qu'elle l'a perçu, cet être-là, mais il n'était pas dans la troisième densité. C'est une sorte de travail ou de mission scientifique, quelque chose comme ça, qu'il est venu faire, de récolte d'informations. Elle était même pas censée le voir, en fait. C'est comme une enfant, tu sais, qui regarde une scène à travers une vitre mais la scène qu'elle n'était pas censée voir. D'accord. Et d'où est-ce qu'il vient celui-là? Juste pour la curiosité. De la sixième dimension. Ben sur Terre ou ailleurs? Oui, sixième dimension sur le plan terrestre. Ok. Il était venu chercher des éléments dans le passé pour pouvoir continuer à construire le futur. D'accord. Donc il est venu du futur alors. En quelque sorte, oui. On peut dire ça comme ça. Bien. Alors ça va être la fin de sa liste. Nous Oui. allons continuer le protocole. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Donc couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui était à l'intérieur de ces corps, subtil et physique, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, elle va sur ce plan morontiel et elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Bien. Activation du diamant du cœur. Avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. C'est fait. Activation de l'implant neutre.
Oui. programmer donc la permanence et l'équilibrage de ce processus. Oui. L'orajeunissement, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fameuse fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Activé. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Le programmer également pour être permanent et équilibré. Oui. Guérison instantanée pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace mourantiel. Oui. Elle fait les ordres, les énergies, les codes et les informations dans les parties concernées. Oui. Elle installe l'arbre de création activé dans les deux sens. C'est fait. Installation et activation de fleurs de vie, graines de vie et double l'émiscate. Oui. Bien. Création de son baume de vie régénérant. Oui. Elle prend des cellules souches et de l'eau primordiale. Oui. Fleur de vie, graine de vie et double l'émiscate activée. Oui. Elle enduit son corps des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. Oui. Elle le programme pour être permanent et équilibré. C'est fait. Bien. Maintenant, on regarde son ADN éthérique. Dis-moi combien est-ce que tu vois de brins connectés? Douze. Combien en avait-il avant la séance? Dix. Ok. Est-ce qu'il convient d'en connecter d'autres? Il faut d'abord qu'elle trouve une stabilité avec ces 12-là, et dans un deuxième temps, elle pourra en connecter d'autres. Ok, quelle différence ça va faire pour elle? C'est un effet stabilisateur. Ça vient stabiliser toutes les parties d'elles-mêmes, les harmoniser entre elles. Ça vient calmer le jeu en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au lieu de partir à toute vitesse dans tous les sens, comme un bolide énergétique, là il y a toujours cette même vitesse, mais plus maîtrisée, plus conscientisée. C'est bon. Très bien. Combien de temps vois-tu pour l'intégration totale de la séance? Entre 4 et 6 mois. 4 et 6. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois des effets qui vont être rapides? Ah oui, dans les jours à venir et les semaines à venir, ça va, comment dire? C'est comme s'il y avait à avoir une impression de ralentissement, mais qui en fait est une période de réglage de nouveaux paramètres. Ok. Est-ce que tu vois des effets inconfortables dus à la métabolisation? Non, c'est plutôt une grande attention sur les réglages de ces nouveaux paramètres. Bien. Alors, on va entourer son ADN d'un double sinusoïde d'énergie issu de sa source. C'est fait. Maintenant, on va regarder son domicile. Oui. Alors, comment le vois-tu? Y a beaucoup de portes ouvertes et de passages. Chaque fois qu'elle partait en voyage, elle ouvrait une porte, mais sans la refermer derrière. Donc à chaque fois, ça ouvrait des nouvelles portes. Alors, est-ce qu'elle maintenant elle a compris, est-ce qu'elle va refermer les portes la prochaine fois? Oui. Ok, c'est clair pour elle. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur chez elle?
Il y a beaucoup de monde de passage, oui. D'accord. Très bien. Donc, on regarde si son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques. Une sorte de veine d'eau en profondeur. Ça a une influence sur elle ? Alors, pas sur elle précisément, mais sur le lieu de vie. Ça permet, déjà naturellement, il y a des portes qui s'ouvrent vers l'invisible dans ce lieu de vie. Donc, avec elle, qui, en plus, qui ouvre les portes sans les refermer, ça fait hall de gare un peu. Bon, ok. Donc, on va faire une couche donc, entre son domicile et cette... C'est tout. Oui, c'est fait. Voilà, tu fais une dalle, tu la programmes pour être stable et indestructible. Et oui. Puis tu fais des tuyaux d'évacuation pour que l'énergie ne stagne pas au-dessous. Donc des évacuations qui vont loin des maisons, loin des habitats. C'est fait. Très bien, maintenant elle fait une grosse tornade et elle ferme toutes les portes et elle évacue tout le monde. Allez, tout le monde s'en va. Elle nettoie tout. Elle purifie. Elle raccompagne à la porte. C'est bon. Bien. Toutes les portes sont fermées et effacées? Oui. Bien. Il n'y a plus personne? Non. Très bien. Elle installe partout fleur de vie, graines de vie, plaque Tesla et double lémniscate activé. C'est fait. Très bien. Donc, son compteur, c'est un compteur Linky. Tu vas y faire un multicoque que tu programmes pour être stable et indestructible. Oui, c'est fait. Bien. Elle y appose un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Elle y met par-dessus une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. C'est fait. Sur le plafond, elle y met un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et par ailleurs, qui fait un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. C'est fait. Très bien. Elle remplit tout son espace de sa propre énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique et elle également. C'est fait. Et les occupants, s'il y en a d'autres, et s'ils le veulent. C'est fait. Bien. Eh bien, nous allons programmer les protections de tous les différents états de conscience. Oui. Tu vas relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent. Oui. Et une bulle de la fin de la métabolisation complète et réussie. Oui. Elle fusionne et s'expanse. Oui, c'est bon. Irradie et rayonne. Rayonne et irradie. Oui. À l'intérieur, on y met son élémental. Oui. Toutes ces bulles de création. Oui. Et toutes ces bulles d'intention. Oui. À l'intérieur, une fleur de vie. Une graine de vie et un double lémniscate activé. C'est bon. Et un corps diamantin autour. Oui. Bien. Demande à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est ce qu'il avait prévu, préparé. Il y avait plusieurs façons de matérialiser ce dégagement. Mais c'est correct. Cette façon-là est correcte. Bien. Il a des choses à dire à sa partie physique ou des conseils? Que maintenant qu'elle a dégagé l'espace pour exprimer ses potentialités,
La partie physique doit rester attentive, à rester centrée sur ses intuitions, à se caler sur son centre. C'est une base sûre, stable. Ok, comment est-ce que tu vois son âme? Elle est transparente. Il n'y a plus que l'enveloppe de l'âme, en fait. Mais c'est calme, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'environnement, de vent énergétique violent, comme j'ai vu tout à l'heure. Là, c'est calme, il y a simplement l'enveloppe de l'âme qui reste là au cas où elle aurait besoin d'y faire appel. D'accord. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Elle s'est renforcée, elle a mûri. Elle a grandi, elle a pris plus d'ampleur, son côté protecteur s'est renforcé et elle se place plus que jamais en soutien et en véhicule de la partie physique. Très bien, donc c'est maintenant que nous allons les saluer, donc les laisser avec cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même, ses parties supérieures. Et dans cette nouvelle version de Flore. En ce qui nous concerne, nous allons redescendre nos fréquences. Oui. Nous réancrer, harmoniser. Oui. Très bien. Est-ce que tout le monde a fini le travail? Oui, c'est bon. Alors, chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de l'énergie, de fréquences, de couleurs, de rayons, de parfums, de géométrie, d'informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et les savourer pleinement. Oui. C'est bon. Très bien. Dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Voilà. Alors, selon la propre échelle de mesure de Flore, quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle maintenant? Elle était à 26 000. Mais 26 000 instables qui vibrent. Et là, elle est à 42 000 stable. Est-ce que ça va bouger? Non, c'est stable. Ça se stabilise à cette mesure-là. Très bien. Bon, chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière lui et retourner à sa place respective. Oui. Tu es prête pour le retour? Oui. Ok. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, comment tu te sens? Bien. Bien revenu? Oui. Bon, allez, à toi, Fleur, si tu veux remettre le son. Oh. Oh. Oui, je t'entends là. J'ai eu peur, ça a coupé. Voilà. Non, non, donc, voilà. Non, non, t'es voilà. Toujours là. Ben, c'est impressionnant. C'est impressionnant le ressenti à la fois dans la tête, dans le corps et les sensations, des mouvements. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression d'avoir été trempée, enfin, nettoyée. Et on m'a ressorti. C'est merveilleux, quoi. Et même la chienne, les chats, parce que j'ai plusieurs chats, et venaient, partaient,
comme si que même eux ressentaient des sensations. C'était impressionnant, quoi. Mais c'est merveilleux. C'est à recommander à tout le monde. C'est ça. Il faudrait que tout le monde puisse avoir la chance de pouvoir le faire. Voilà. Ça, c'est un cadeau. C'est... Voilà. Et... J'aimerais être à la place d'Emmanuel. voilà, mais ce qui est impressionnant aussi, c'est parce que, bon, j'ai pas pu tout expliquer, mais parfois je suis assise, par exemple, et hop, je pars, et je vois des choses, etc. Et je me dis, mais comment contrôler tout ça? Voilà. Bon. C'est tout un travail. Voilà. J'espère un jour pouvoir réussir. Voilà. Je réussis. Ah non. Ah non, t'es pas là pour respirer, tu vas réussir. Je vais réussir. Mille merci pour tout ce que. Bon, j'avais des connexions, j'avais des ressentis, je voyais, je me disais, mais oui, c'est ça, c'est ça. Et, mais il me fallait des réponses. Voilà. Pour avancer. Donc, et pour mon papa, c'est extraordinaire parce que je savais qu'il était avec moi et il fallait qu'il s'en aille, qu'il vive sa propre expérience autrement. Et voilà. Bien. Je suis contente pour lui. Je suis heureuse pour lui. Il mérite. Bon, en tout cas, bah, j'espère que bah, tu regardes. J'ai plein de choses à vous dire à tous les deux, mais c'est tellement... Il faut déjà... voilà. Une autre fois, si tu veux. Voilà. Ok. Donc, tu reverras ta vidéo, hein, tu la regardes, tu reprends l'information. Enfin bon, tu sais, hein, tu as l'habitude de voir nos vidéos, donc... voilà. Donc, j'espère que tu auras des nouvelles, par contre. Oui, bien sûr, ah, bien sûr. Par mail ou SMS. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a autre chose que je souhaiterais faire. Enfin, voilà. Bon, maintenant, elle est floutée, mais il est vrai qu'elle ne serait pas floutée, ça ne m'aurait pas dérangée. Parce que elle n'est pas floutée. Elle n'est pas floutée. Ah, bah, c'est non. Beau. Merveilleux. Tu m'autorises sans la flouter. Ah, ouais, sans la flouter. Ah, bah, super. Bah, merci à toi. Bah, tant mieux. Bon, oui. Bah, génial. Parce que c'est une expérience qui peut peut-être permettre à quelqu'un d'autre. De se dire, de, parce qu'on n'ose pas sur le coup, on n'ose pas, enfin moi je travaille beaucoup avec mon ressenti, pour moi mon mental il est absent quoi, parce que je trouve qu'il est là pour détruire plus qu'autre chose, mais ça peut permettre à plein de personnes de tenter l'expérience et de donner de l'envie surtout, faut le faire, de toute façon faut le faire, je vais le dire autour de moi, je vais leur dire, mais allez-y, c'est merveilleux. Bon, mais en tout cas, merci à toi. Le mot de la fin, ce serait comme dans Ghost à la fin, quand il lui dit c'est merveilleux l'amour qu'on emporte avec soi. Et bien voilà, là c'est merveilleux l'amour que l'on emporte avec soi, parce qu'en fait, l'obscur, tout ce qui est. On ne l'emporte pas avec soi, on reconnaît que l'on est cet amour. Voilà, et là on a tout de l'amour. Voilà. C'est une reconnaissance de soi. Voilà, c'est ça. On ne l'emporte pas avec soi, c'est une reconnaissance de soi. C'est ça, c'est merveilleux. Bon, on te fait un gros bisou et puis, ma foi, à bientôt pour une nouvelle. À bientôt Pascal, à bientôt Emmanuel. Au revoir, et merci Emmanuel. À bientôt, au revoir. Au revoir.